Et dans monter en haut, là on parle de Christ, après sa mort, sa résurrection, il a fait 40 jours avec nous ici sur la terre, avec les hommes, les apôtres, qui étaient avec lui. Et après 40 jours, c'était l'ascension, c'est-à-dire que Christ était monté au-dessus des apôtres. Nous allons parler. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es amour. Merci parce que tu es notre force. Merci parce que tu es notre espoir. Merci parce que tu es notre berger. Merci parce que tu es notre soutien. Merci parce que tu es notre forteresse. C'est toi sur qui nous comptons, Seigneur de gloire. Père, quand nous traversons, mon Dieu, l'obscurité, les temps difficiles, tu tends ta main, Seigneur de gloire, sur nous. Et tu nous orientes, tu orientes nos pas, Seigneur. Tu effraies les chemins devant nous. Tu ouvres les portes devant nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher de gloire en gloire. Des succès en succès, des victoires en victoire. Tu es Dieu parce que tu es notre Créateur. Tu es Dieu parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es Dieu parce que tu es celui qui fait la promesse et qui l'accomplit. Chaque fois que tu as prédit quelque chose, Seigneur, tu es capable de confirmer chaque parole qui sort de ta bouche. Tu es de gloire, tu es Tout-Puissant. Si ces hommes sont ici réunis, Seigneur, c'est à cause de ta parole, Seigneur. C'est en vertu de ta promesse, oh Dieu. Et nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons, Seigneur, ce soir tu vas nous parler. Nous croyons que ce soir tu vas nous bénir. Nous croyons que ce soir tu vas nous révéler, Seigneur, ta parole, qui sont les mystères de notre royaume, du royaume de notre Père, oh Dieu. Cette parole qui est notre force, cette parole qui est notre soutien, cette parole, Seigneur, qui est notre stimulant, qui stimule notre foi, oh Dieu, afin que nous puissions marcher, oh Seigneur, sur ces chemins, oh Dieu, plein de roches, Seigneur, mais avec victoire et gloire et succès dans le nom de Jésus. Mais la parole ce soir, dans le nom puissant, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, les dimanches passés, j'avais vraiment, quand je rentrais à la maison, je me préparais d'aller visionner, parce que très souvent après la prédication, j'essaie un peu de mettre sur les DVD et je regarde moi-même la prédication, ça m'édifie très. Alors, je me prêtais comme ça, j'arrive, je vois, oh, on n'avait pas, donc c'était ma faute, j'avais fait une erreur, et puis je dis, oh Seigneur, alléluia, j'ai compris, c'est moi, je dis, ah, c'était moi ma faute, il ne fallait pas que j'aie. J'avais vraiment soif d'écouter la prédication que j'avais, l'enseignement que j'avais donné le dimanche passé. Parce que très souvent, je suis. Il arrive parfois certaines choses dont je déclare, c'est sous l'onction de Dieu, sous l'Esprit. C'est après, quand aussi je m'assois là, je commence à suivre, ça m'édifie encore beaucoup. Alléluia. Amen. Alors, je crois que le dimanche passé, nous avons parlé à partir d'Éphésiens. Nous avons exploité un peu l'aspect de Jésus-Christ étant l'homme, oh, Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été donné pour nous racheter. Parce que le mystère de Jésus-Christ est le mystère qui est lié à notre salut. L'apôtre Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Il dit, Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire ne pas saisir ce que Christ a fait pour nous sur la croix, notre salut est vain. C'est quand nous saisissons et nous comprenons ces choses, parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Par la connaissance, donc, nous avons la vie. Par la connaissance, nous saisissons la part de notre héritage. Par la connaissance, nous avons la foi. Par la connaissance, nous avons l'autorité sur le diable, parce que nous comprenons tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile, il y a des obstacles. Dieu n'a pas envoyé, tel que j'ai prêché, je disais toujours, que Dieu n'a pas envoyé, quand nous sommes nés, on n'a pas trouvé des mousses partout sur la terre, afin que nous puissions marcher sans pour autant heurter une pierre. Mais nous avons trouvé la terre, pieds de pierre, partout des accidents, des épines, des roquettes, toutes sortes de choses. Donc cela prouve que la vie ici sur la terre est un test de ce rêve. Des tentations et toutes sortes de choses, mais par la parole de Dieu, elle nous donne la force, elle nous donne la foi, elle nous stimule, elle nous donne les stratégies de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons faire pour vaincre? Parce que la Bible dit, à la fin, c'est lui qui vaincra, c'est celui qui héritera le royaume des cieux. Et quand on parle de celui qui vaincra, cela prouve que ça sera la bataille. Alléluia. Je suis en train de lire, là où je viens de lire,
Mais à Éphésiens chapitre 4, on a dit que Christ étant monté en haut, il a fait des dons au sang. Une fois, j'avais essayé un peu d'expliquer ça, que quand moi Jésus était monté en haut, nous avons un peu lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1, pour voir étant monté en haut. Actes des Apôtres, chapitre 1. Je commence au verset 8. Ou bien, verset 7. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Il les regardait de Jésus. Pendant que les apôtres étaient en train de regarder Jésus, Jésus a commencé à monter, arriver quelque part, je ne sais pas, 800 mètres, à combien de mètres? Arrivé quelque part, la Bible dit, il nuait les déroba à leurs yeux. Dans un autre sens, il est entré dans la nuée. Dans un autre sens, il était enveloppé dans la nuée, et la nuée l'a amené au ciel. Alléluia. Amen. Donc c'est ici que l'apôtre Paul nous explique, quand il parle ici dans le livre des Éphésiens, qui est monté en haut. Donc, il faisait allusion à cette montée de Jésus-Christ. Il parlait de ce qui s'est fait dans Actes chapitre 1, comment Christ était monté en haut. Il dit, étant monté en haut, il a fait des dons au sang. Il a libéré des dons au sang. Il a donné des dons au sang. Il a donné des dons à son église. Il a libéré l'onction sur son église. Il a donné la puissance à son église. Étant monté en haut. Mais la Bible dit quelque part, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi quand Christ montait, arrivait quelque part, si on doit bien comprendre, parce que la Bible dit qu'il nuait à dérober. Ça c'est le langage de Luc qui écrivait, il a vu, il a dit, arrivé quelque part, il a vu une nuée, et Christ est entré dans cette nuée-là. Alors quand il est entré dans cette nuée, il est allé, il est devenu quoi? Parce que c'est une question. La Bible dit quelque part, je crois que j'ai déjà lu ça ici dans le livre des Romains, que, attends, on va lire 1 Corinthiens chapitre 16, non, chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 45-46. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante. Les derniers Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est. Ce qui est spirituel vient ensuite. Les premiers hommes tirés de la terre et terrestre, les seconds hommes et du ciel. Et on dit que les premiers hommes, quand on parle des premiers hommes, on fait allusion de Adam, le corps de Adam qui a été formé de la poussière de la terre. Voilà pourquoi on dit que l'homme
a été formé de la poussière de la terre, il retournera à la poussière. Quand Adam avait péché, Dieu lui avait dit, tu es sorti de la poussière, tu retourneras à la poussière. Maintenant, le second Adam qui est Jésus-Christ, la Bible dit que lui, il est le second Adam et du ciel. Est-ce que ce qui est du ciel, c'est le corps de Jésus ou bien c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ? Le corps de Jésus a été formé dans les seins de Marie. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit, et cette parole s'est faite chair. Luc chapitre 1, à partir du verset 35. La Bible dit que l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son onction, de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit va te couvrir et va commencer à créer un corps nouveau. Et ce corps nouveau, qui est le commencement de la création de Dieu, il dit on l'appellera Fils de Dieu. Le corps de Jésus, je dis encore, a été créé dans les seins de Marie. Or, le corps du premier Adam a été créé dans les seins de la terre, la poussière de la terre. Mais, en Jésus-Christ, qu'est-ce qui était céleste? Voilà pourquoi Jésus a dit, la chair est bien, est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire, il y a une différence en Jésus entre son corps et l'esprit qui habitait en lui. Dans sa chair, il pouvait dormir. Dans sa chair, il pouvait avoir faim. Dans sa chair, il s'affaiblissait. Il disait, oh, je n'ai pas de force. Il avait faim. Il portait la croix comme ça, il est tombé. Mais l'esprit qui était en lui, c'est de ça qui est quelque chose. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est celui-là que je vais parler. Parce que quand il est monté en haut, c'est-à-dire qu'il a quitté la chair, il est rentré en esprit. Jésus a dit, il faut que je m'en aille, parce que si je ne vais pas, mon Père ne vous donnera pas. Et peut-être moi qui parlais du Père, un jour, il me pose la question, dis-nous, montre-nous ton Père. Il a dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas que c'est lui qui m'a vu à vie, le Père. Oui, c'est vrai. Le Père, ce n'était pas le corps là. Et puis, il va expliquer ça. Mon Père est en moi. Parce que Dieu, Jéhovah Esprit Père, personne ne peut les voir. Personne ne peut les voir. Mais dans l'Ancien Testament, quand il s'est révélé sous forme de l'ange de l'Éternel, en ce moment-là, il y a eu des gens qui l'ont vu. Quand il s'est caché dans un corps, voilà pourquoi quand tu as dit à Moïse, il dit, vous allez construire un tabernacle, une maison. Les tabernacles dans l'Ancien Testament étaient l'image de Jésus-Christ. Les tabernacles dans l'Ancien Testament étaient l'image de l'Église qui est le corps de Christ. Les tabernacles dans l'Ancien Testament est l'image de toi et de moi, de chaque chrétien né de nouveau. Alléluia. De la même façon, Dieu a habité dans les tabernacles. Cela révélé dans le Nouveau Testament. De la même façon, Dieu viendra habiter dans nos cœurs. L'ange de l'Alliance qui était dans l'Ancien Testament, c'est le même qui est venu dans le Nouveau Testament, qui est entré en Jésus-Christ. Sinon, nous serons comme, je ne sais pas, quelle religion, où c'est comme si l'Ancien Testament avait un autre Dieu et le Nouveau Testament avait un autre Dieu. Non. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi vous allez voir. Jésus va faire une déclaration dans le livre de Matthieu, des gens. Il dit que Abraham avait entendu parler de moi. Et il a eu la soif de me voir. Et les jours qu'il m'avait vu, il s'était réjoui. Les gens ont dit, hein? Tu n'as même pas 50 ans. Et
tu dis que toi tu as vu Abraham, il dit, vous savez qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Oh. Ils ont pris des pieds aux autres, c'est pas possible. Alléluia. Parce que Jésus, les corps avaient 31 ou 32 ans. Parce que c'était avant sa mort, c'était avant même qu'il soit arrêté. Il a été arrêté à 33 ans. Donc, il a commencé le ministère à 30 ans. Donc, c'était peut-être à 31 ou à 32 ans. Ce corps-là était jeune. Ce corps-là avait commencé sa vie dans les seins de Marie. Mais la personne qui dit qu'avant qu'Abraham fût Jésus, ce n'était pas ce corps-là. Voilà pourquoi Jésus dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je vais les restituer. Là, il parlait maintenant, et voyait les temples, mais Jésus parlait de son corps. Parce que son corps était, le temple de l'Ancien Testament était l'image et l'ombre de son corps. Mais là, la personne qui disait qu'avant qu'Abraham fût Jésus, ce n'était pas le corps de Jésus-Christ. C'était cet ange de l'Éternel qui habitait en Jésus-Christ. Alléluia! C'était cet homme-là. Sinon, on va dire que Jésus a menti parce que Jésus avait 33 ans. Comment un homme de 33 ans peut voir quelqu'un qui a vécu sur la terre il y a 3000 ans? Comment un homme de 33 ans peut avoir vu, peut faire cette déclaration que j'ai vu Abraham et Abraham, dès qu'il m'a vu, Abraham était dans la joie. Toi, tu as 33 ans. Quand Abraham m'a vécu sur la terre, il a dit, oui, Abraham m'avait vu. Et quand Abraham m'avait vu, il était dans la joie, il s'était réjoui. Il était tellement excité de joie. On dit, mais c'est pas possible. Toi, jeune garçon, toi dont je connais même les jours que tu es né. J'ai vu, tu étais né là-bas, dans une étable, parmi les brebis. J'ai vu même comment ta mère t'a porté. Et aujourd'hui, tu nous parles. Tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que toi, tu as vu. Il dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Vous savez, en Israël, le verbe je suis, c'était seul Dieu qui conjuguait ce verbe-là. C'était réservé seulement à Dieu. Les jours que Dieu a parlé à Moïse, il a dit, je suis l'Éternel. Mais quand Moïse me demande, mais quel est ton nom? Il dit, va leur dire, c'est lui qui s'appelle Jésus. Jésus. C'est-à-dire, c'est lui qui est présent dans le passé, qui est présent dans le futur, qui est présent à chaque moment. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu, le passé, le futur, tout est présent devant lui. Dieu ne grandit jamais en âge. Dieu ne grandit jamais en connaissance. Dieu n'a pas de nouvelles idées qui passent sur sa tête. Il a connu toutes choses dès le commencement. Avant même le commencement, depuis l'éternité, toutes ses pensées sont parfaites. Mais toi, moi et toi, ce que nous pensons aujourd'hui est bon. Peut-être que demain, on va dire, avant j'ai pensé que c'était bon, mais maintenant j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas la bonne façon de voir. Ça, c'est l'homme, parce que l'homme, tout homme grandit en connaissance. Tout homme évolue. Mais pas Dieu. Dieu est le même. Le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Ce qui change, c'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau qui a été versé. À cause du sang de l'agneau, nous avons aujourd'hui l'accès, la grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'a pas changé. Où il était vieux, c'est comme quand on était à l'église catholique, on nous montrait quelqu'un vieux là, qui est déjà fatigué, qui est assis sur le trône, et Jésus qui est encore jeune, qui a encore du courage. Non, 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 ça ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu, le grand Jésus. Jésus révèle la divinité. Jésus révèle la grandeur de Dieu, sa capacité, de quoi il est capable. Qu'il ne grandit jamais.
Il ne se rajeunit jamais. Il est le même. Il n'a pas de nouvelles idées. Il n'a pas de... C'est-à-dire, comme aujourd'hui, la pensée va dire, ah, hier, la façon dont j'avais pensé, ah, j'ai des hommes. Non, j'étais un peu méchant. Le Nouveau Testament, je vais changer un peu. Non, il est le même. Péché devant Dieu reste toujours péché. Mais aujourd'hui, à cause du sang de Jésus Christ, nous avons la grâce d'entrer dans sa présence. Alléluia. Sachant que l'homme avait péché et que sa loi était là pour frapper. Maintenant, il a dit, qu'est-ce que je veux faire? Lui-même, il a pris sa, la place. Parce que ça serait injuste qu'une autre personne puisse prendre, c'est-à-dire puisse venir subir les jugements de Dieu. Il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui puisse porter les jugements de sa loi, qui puisse porter les jugements de sa colère, afin que par sa mort, nous puissions être sauvés. Par sa mort, nous puissions être délivrés. Par sa mort, nous puissions être acceptés et que nous puissions rentrer en communion avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi dans la Sainte Testament, un jour, quand Jésus est en train de parler de ça, il fait allusion dans le livre de Genèse, chapitre 18. Un jour, Abraham était assis devant sa tente. Il a vu trois hommes qui étaient de passage. Mais dès qu'Abraham a observé l'un d'eux, il a vu que c'était, il y avait un ange, et celui qui était au milieu, c'était l'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, ça dit l'Éternel Dieu sous la forme d'un homme, sous la forme d'un ange. Il était dans un corps qu'on appelait la théophanie. Théo veut dire Dieu, phanie veut dire corps, c'est-à-dire le corps de Dieu. Et il était dans un corps divin. La Bible dit dans Genèse chapitre 18, j'ai lu verset 2, il leva les yeux et regarda, voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit courir au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'y passe point, j'étais mis loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre guerre. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Et Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, trois mesures de fleurs de farine pétrie, fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau, tant de bons. Il les donna à un serviteur qui s'est attendu à l'apprêter. Puis encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés. Il les mit devant, et il s'éteint lui-même à côté sous l'arbre. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, voici Sarah, ta femme aura un fils. Car on dit, l'un de celui qui avait dit là, c'est l'ange de l'Éternel. Et ça, c'est le mystère caché des secondes venues. Il dit, je reviendrai. Un jour, on parlera de ça. Quels sont les mystères qui sont cachés dans l'ordre de la seconde venue de Jésus-Christ? Il dit, Sarah, ta femme, aura une fille. Et Abraham et Sarah étaient vieux avant d'avancer en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur aussi? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, vous savez que Sarah ne savait pas que les gens qui mangent avec mon mari Abraham, ce sont les anges et l'Éternel Dieu. Vous savez que les travailleurs d'Abraham, parmi ces travailleurs, il y avait Eliezer de Damas, il y avait d'autres travailleurs, parce que la Bible dit qu'Abraham avait 400 serviteurs avec leurs femmes et leurs enfants, donc c'était plus de 1200, 1500 personnes qui étaient des serviteurs d'Abraham. Parce que si Dieu t'est béni, il étend ta possession. Mais tous ces gens qui étaient là, personne ne savait que l'homme-là qui est assis, habillé en blanc, qui a porté une robe en train de manger, c'est Elohim. Alléluia. C'est l'Éternel qui s'est manifesté. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit.
Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle dit? Et quand il parlait à Abraham, Sarah était derrière. Sarah avait souri même dans son cœur. Et Sarah a menti devant Dieu. L'Éternel dit à Sarah, pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment tu aurais un enfant, moi qui suis vieille? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Vous savez, mentir devant Dieu. Mentir devant Dieu, Sarah allait mourir. Alléluia. Parce que Sarah a prouvé que ça dit, comme Sarah dit, je n'ai pas ri, donc c'est Dieu qui a menti. Parce que si Dieu te dit, tu as ri, toi tu dis, non. Maintenant, on dit, ah donc Dieu sait que toi tu as menti. Parce qu'elle a dit non. Alléluia. Amen. Mais à cause d'Abraham, parce que si Sarah mourait, c'était comme une partie d'Abraham qui allait mourir. Sarah, il a fait sauf à cause d'Abraham. Parce que quand vous lisez tout ça, vous allez voir que cet ange ne supporte pas les péchés. J'ai déjà lu ça ici dans Exode chapitre 23, verset 20. Voici cet ange-là, c'est parce que j'envoie devant toi mon ange. Tiens-toi debout devant.